Le rapport Mo Ibrahim 2018 sur l'indice de gouvernance paru le 29 octobre classe le Rwanda en tête des pays africains à fournir un environnement propice aux affaires avec un indice de 83,6%. Le rapport indique qu'avec une tendance à la hausse de plus 9,5% au cours de la dernière décennie, le Rwanda a suivi une trajectoire ascendante passant du deuxième rang en 2008 au premier rang en 2017. Nous avons planifié le développement dans tous les secteurs, surtout à commencer par le secteur des services et le secteur de la production. Tout investisseur qui arrive au Rwanda est satisfait par les mesures qui sont prises. Qualifié de success story régional, le Rwanda le mérite, selon de nombreux observateurs, d'être le réformateur le plus rapide au monde en matière de réglementation des affaires. Ainsi, grâce à la digitalisation des services, les entrepreneurs peuvent immatriculer leur entreprise et recevoir leurs attestations d'identification fiscale ainsi qu'un numéro de sécurité sociale le jour où ils en font la demande. Toutefois, il faut encore améliorer les infrastructures parce que nous ne sommes pas encore développés dans le secteur des infrastructures, surtout dans les routes asphaltées. Le Rwanda est en train de préparer un aéroport international qui va faciliter le transport et l'accueil des investisseurs. L'indice Mo Ibrahim contient une analyse de 102 indicateurs provenant de 35 institutions de données africaines et mondiales indépendantes. Outre les perspectives économiques, des données sont disponibles dans les domaines de la sécurité et de l'état de droit, de la participation et des droits de l'homme et du développement humain.